Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Mouloud. Coucou Mouloud. Ouais. Allez, bah. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? Bref la famille, dans cette vidéo, on va tout simplement faire un 24 heures avec Mouloud. Il va contrôler notre vie pendant 24 heures. J'espère qu'on va pas souffrir. Alors je vous explique, c'est nous, on va décider entre guillemets des choses bons et mauvais. Donc soit Adem il souffre ou soit Bilal il souffre. C'est la chèvre qui va choisir entre guillemets ce qu'on fait. Vous allez voir de toute façon comment ça va se passer. Bref la famille, maximum de pouces bleus. Adem, combien de pouces bleus pour cette vidéo? 50 000. Eh hey, Mouloud, combien de pouces bleus pour cette vidéo? 50 000 50 000. Ah, il fait que de lécher en ce moment, je sais pas ce qu'il a. C'est trop mignon, regardez sa petite bouille. Il te fait des guilis. Ça reste pas tranquille, hein. Ça a toujours faim et ça dort. Voilà ce que ça fait de la journée. En même temps, la famille, dans cette vidéo, on va en profiter pour vous montrer un petit peu la journée de Mouloud. Sur ce, la famille, on vous laisse à la vidéo. Bon visionnage, c'est parti. C'est parti, Mouloud. C'est parti. Alors on peut voir qu'on lui a mis des bols d'eau. Pourquoi des bols d'eau? Parce que tout simplement elle a déjà mangé tout à l'heure avec son biberon. Et il y en a dans les commentaires, vous êtes des fous. C'est pas vous dites quoi? Ouais, pourquoi vous donnez pas des croquettes à la chèvre? Wesh Mouloud, il mange pas de croquettes, qu'est-ce que vous racontez? Il mangera des croquettes plus tard et encore des croquettes. Je suis gentil, il mange tout ce qui est herbe, de la paille et des friandises, genre du maïs. Mais encore ça le fait grossir ça. Il mange du foin. Bref. Là pour l'instant il boit que du lait. Vous verrez tout à l'heure, on ira lui faire à manger, mais pour l'instant il a déjà mangé son petit déjeuner. Nous d'ailleurs on l'a pas encore fait. Bon Mouloud, t'es où mon ref? Regardez, il est où? Wesh mon ref, qu'est-ce que tu fais là? Viens là. Eh, il est pas d'humeur à faire des vidéos, va le chercher. Ok. Voilà. Alors Adem, tu mises où? À gauche ou à droite? Eh, vous savez quoi? Je mise à droite, toujours la droite, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, je te pose. Allez Mouloud. Oh, t'as perdu la mise mon ref, il a bu sur classe, ça veut dire tu vas t'habiller en classe. Parce que t'as dit que t'allais mettre sur survette, mais au final il est allé sur classe, donc tu t'habilles en classe. Et c'est toi en survette du coup. C'est ça, mais Adem on a toujours pas compris le concept, mais c'est à peu près ça. Allez, on y va, habille-toi. Je suis pas habitué, moi, classe. J'en ai jamais mis, j'ai même pas de jean. Tu veux faire le concept, là, ou on arrête la vidéo? Allez, on y va. Alors, je suis habillé classe ou pas? Dites-moi en commentaire. Là, je suis un homme d'affaires. La petite paire, le petit survêt. Non, 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 écoutez. Ce n'est pas un survêt, c'est un pantalon. Viens toucher, viens. Ouais, ça passe. Merci bien. J'ai bien respecté le choix de la chèvre, le petit t-shirt blanc pour ressortir avec les Air Force, le petit chapeau et le relais joué. Perfect. Bon, la famille, on va dire qu'on lui valide quand même, hein, parce qu'il n'a pas l'habitude de s'habiller comme ça. Merci bien. Ah, merci bien. Je ne parle pas avec vous, ceux qui gagnent 10 000 euros. Ah, ta gueule. Le mec, il commence à faire le riche. T'es bête ou quoi? Bon, la famille, moi, on peut voir que je suis déjà habillé en survêt, hein. Mais attends, t'as pas une autre manière de leur montrer que t'es un survêt? C'était... on voit tout comme ça. Vas-y, coupe. Hey, tricheur, on va remettre ta veste. Ah, mais il fait chaud, vous respectez ça, je la mets quand on filme. Perfect. Alors, petit déjeuner bon et petit déjeuner... dégueulasse, je finis d'écrire. Bon bah voilà, c'est parti. On va faire à manger à la petite chèvre, on va lui faire son petit biberon. Ouais, c'est vrai, parce que c'est l'heure et la faim. Reste tranquille, mec. Bon, la famille, donc là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait son biberon. Alors, c'est à base de poudre en lait, ici, comme vous voyez là. Trois gros trucs comme ça, avec 60 ml d'eau. Viens là Mouloud. Non non, pas les chaussures d'Adem, ça se mange pas. Quand tu veux mon ref. Viens là. 3, 2, 1, top départ. Allez, on y va, on a faim. Attendez, merde, j'ai pas misé. Moi je dis qu'elle va aller à droite. Oh, viens manger mon ref. Oh. Ah, tu vas manger. Oh mon dos. Non mais attends, je pense qu'il faut que tu la mettes vraiment plus près comme moi je l'ai mise. Non. Yes sir. Petit déj dégueu ça veut dire. Mais attends, la vie de ma mère, je l'ai posé là-bas sans faire exprès. Non non, commence pas avec la triche s'il te plaît. On recommence. Non je rigole, on va pas recommencer mais la vie de ma mère, bois un petit peu mon ref. T'en veux hein? Hein? Allez, je vais te faire travailler pour que tu boives. Trop mignon, vraiment. Vous savez, quand il a faim là, il court tout le temps Adem. Adem, c'est pas trop chaud? C'est parfait. Et c'est parti, allez il boit. Vous savez, il prend pas les bols. On a fait le test aujourd'hui et il veut pas du tout de bol de lait. Bah du coup c'est encore un petit bébé et il a besoin de boire au biberon. Coucou. C'est bon hein. Vous allez voir quand il aura terminé de manger comment il va gonfler son ventre. Et il est en mode posé, au calme. Ça y est, t'as bien mangé mon petit bébé? Ah t'en veux, il en veut le gadjo. Attends, tiens, t'inquiète.
Ah ouais, il a la dalle. Qu'est-ce que c'est doux. Ça y est, y a plus rien. En général, là, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va dormir et il va chier et pisser partout. Ouais, c'est vrai que ces crottes, elles sont trop mignonnes quand même. C'est vrai, on dirait des olives, j'aimerais bien y goûter. Oh, prochain défi. Oh, là, là, là. Adem, cote à combien? Vas-y, joue le jeu. Non, en vrai, je pense pas qu'on va pouvoir faire ça, c'est trop sale. C'est dégueulasse. Regardez, il pisse partout. Viens là, mon bébé. Est-ce que vous voyez sa pisse là ou pas? Attendez, je vais essuyer. Ah, t'es pas beau, hein. Faut pas faire pipi à la maison. Au moins, les chats, ils vont dans leur litière. Voilà, petit inconvénient quand t'as une chèvre. C'est pour ça, une fois qu'il sera adulte, il sera apte à sortir et vivre dans le jardin. C'est un grand environnement. Ouais. Voilà. Perfect. Bon, c'est parti, on y va. Dès le matin, sa mère, je vais me brûler la trachée, je vais me brûler l'estomac avec du piment tunisien comme ça. Allez, on y va. Là, j'étale tranquillement. Vous savez quoi, je suis un grand fou. En vrai, elle est trop bonne, cette Harissa. Elle donne la chiasse, quoi. Eh, pourquoi t'es endormi, là? Parce que je vais manger une gaufre. Enfin... c'est pareil. Tu crois là je vais être en mode waouh, meilleur petit déjeuner, best forever. La famille, dites-moi en commentaire si vous aimez bien le café. Un vrai man du café te dira ouais, le café ça se boit sans sucre. Du coup bah on fait ça sans sucre dans les règles de l'art. Allez allez, on y croit, t'es un homme. Oh lolo, ça rigole pas, il s'est fait 3 tartines. The burger. My big hummer. Est-ce que tu prends une boisson avec? Du lait. Meilleur petit déjeuner, tartine au Nutella avec du lait. Ça je peux te dire que c'est bien mérité. Tartine Nutella, tu plonges ça à l'intérieur, comment c'est bon. Eh la chance, vas-y je m'en fais une hors caméra. Non. Doucement. Perfect. Eh moi je suis pas content moi, à cause de Mouloud, regardez ce que j'ai mangé. J'ai mangé du pic à cause de toi, t'es sérieux? T'es sérieux ou quoi? Ah ben, ah. La famille, mettez un maximum de likes. Regarde comment elle te regarde. Yeah. C'est parti, allez on y va Mouloud, t'es enfin libre. À 3 je la lâche, 1, 2, 3. Yes, t'y as cru hein, allez c'est parti. 3, 2, 1, let's go. C'est parti. Ah, trop mignon. Ah, ah j'ai les pieds mouillés. Allez viens, allez viens. Perfect. Bref, Adem, c'est parti, on y va pour le prochain sondage que Mouloud va choisir. Il va devoir choisir soit une carte cadeau à 5 euros ou 100 euros. S'il va sur les 100 balles, oh là là, je suis heureux. Parce que là, c'est mon tour. Bah c'est parti, regardez. Carte cadeau à 100 euros et carte cadeau à 5 euros. Tu choisis quel côté, droite ou gauche? Bien évidemment, le côté gauche, 100 euros. Ok, Mouloud, qu'est-ce qu'il fait là? Vas-y, ramène-le là, qu'est-ce que tu fais ici là? Il est en train de niquer le paillasson derrière. Allez, reviens là toi. C'est le moment du verdict, Bénédicte, s'il te plaît, chèvre miel. Eh, mets-le bien au milieu. J'ai la carte cadeau. Eh, regarde. Attends, mais non. Attends, il s'est barré là. Regarde, il s'est barré. Eh ben, on va le faire recommencer parce que c'était bizarre un peu. 1, 2, 3. Non. Oui. Non. Ici, regarde. Là. C'est moi qui aura la carte cadeau à 100 euros. C'est comment 5 euros? Tu vas faire quoi avec? Un bon kebab. Il fait quoi lui? Oh, t'as vu? Arrête. Ah. Attends, mais il est con lui aussi. Ouais, j'y réfléchis pas. Non, c'est bon, je pense que c'est validé. J'ai le truc à 5 balles, c'est bon. Lacoste, TN ou quoi là, ta gueule? On part en voiture. Ah, salut. Salut, c'est parti, on va aller dans les magasins. On a ramené le petit Mouloud. Ah, il fait quoi avec ses dents? Ah, il était trop moche. Bon, on y va, on va aussi en profiter pour aller chercher Kayla à l'école. On a pris Mouloud justement parce qu'il peut pas rester tout seul à la maison. C'est dangereux et tout le monde travaille à la maison. Alors on le ramène. Il va rester dans la voiture avec ma mère. Merci maman. De rien. Bon, la famille, là on est à Intersport. On va tout simplement rentrer à l'intérieur, acheter ce qu'on a acheté. Moi pour 100 euros et Adem pour 5 euros. Et on se retrouve à la maison parce que, vas-y, le vigile à l'intérieur. Non, c'est interdit de filmer ici, hein. On n'a pas le droit. Bon, du coup, bah on rentre. On y va. Perfect. Bon, la famille, on est de retour à la maison. Alors Adem, j'ai acheté quelque chose à Intersport, tu sais très bien ce que c'est. Moi j'ai pris un ballon de rugby, je peux le prendre? Vas-y. Il est ici, c'est un ballon de rugby, en fait, il fait ballon de rugby et téton géant. La vie de ma mère, c'est vrai. La tête d'homme, on dirait les tétons des sumo là, qui font le truc. Vas-y, fais-le pour voir. Attends, vas-y. encore. Bon bah voilà, ça ressemble à ça. Ah, on dirait une abeille, le dard d'une abeille, regardez. 4,99. En vrai, on va pas se mentir, c'est pas super utile. Vas-y, joue avec Mouloud là. Allez, réceptionne-moi ça. Elle s'en fout totalement. Perfect. Alors, regardez-moi cette magnifique sacoche Lacoste. Et ouais, c'est une vraie. Pour une fois, j'achète des vrais vêtements. 84 euros ça là. Pourquoi la descend?
C'est réglable en fait. Bref, le but c'est qu'elle soit ici là. Dites en commentaire ce que vous en pensez, franchement ça me va super bien. Elle est incroyable. Merci beaucoup Adem, franchement. Peut-être qu'elle est un petit peu chère, mais bon, Lacoste c'est une marque de luxe. Donc moi je dis que ça fait le prix. Je suis trop content. Voilà, merci la chèvre. Merci Mouloud, on est en bleu sang, c'est les Jégui. Excusez-moi, je suis fan de Brulux d'ailleurs, vas-y petit extrait. Non, en fait, il n'y a pas d'extrait. Vous connaissez Brulux and the Flux, volume 5 volume 2. Il y en a, ils connaissent dans les commentaires. Bref, j'aime bien ce rappeur et du coup, je ressors un petit peu ses phrases. Ouais, je suis un mouton, ouais. Je suis une chèvre. Et du coup, c'est les Jégui. C'est les Jégui, on est en bleu sang. Je fais trop la cité, moi. Là, tu vois, une fois que t'as mis une Lacoste comme ça avec, avec le bob et la sacoche, là, t'achètes tout simplement un ensemble Lacoste et dehors, tu marches comme ça. Ça sert à rien de faire ça en fait. Non, c'est juste que j'aime bien Lacoste. Arrêtez, arrêtez, faut pas juger. Bref, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai faim. Moi aussi j'ai faim. Tacos ou McDo? Ouais. On demande à la chèvre en espérant que j'ai le tacos. Je suis chiant. J'avoue, ferme ta gueule un peu. Soit un McDo ou soit un tacos. Alors en espérant que j'ai le tacos, parce qu'on va pas se mentir, c'est mon fast food préféré. Mais je vais pas vous mentir, hein, si j'ai McDo, on est bien. Moi en vrai, je suis plus pour tacos. On bat les couilles. Que tu racontes ta vie. Moi je dis aux abonnés pour que tu me dises c'est quoi ton ce que tu veux. Ah ouais, non mais là t'as bégayé en fait. Non, sérieusement, tu veux quoi? Moi, je veux tacos. Ouais, la team tacos a délimé Bilal depuis très longtemps. Nous, on n'est pas trop McDo. Parce qu'en fait, au McDo, on peut manger que le filet au fish. Ouais, bah en vrai, je vais prendre ça. Parce qu'en fait, c'est léger, je vais grossir avec le tacos. Attends, attends, c'est la chèvre qui décide. Ah, bah j'espère que tu vas manger tacos, comme ça tu vas grossir. Ah, bah c'est parti, ramène Mouloud. Ma mère, elle est en train de lui enlever ses puces qu'il a sur son pelage. Regardez tout ce que ma mère a enlevé. Allez, donne-le à Adem. Allez, on y va. Bon, bah t'as plus qu'à choisir, mon ref. Hein. Fais ta vie, hein. Soit McDo, soit tacos. Attends, c'est qui choisit là? C'est moi? Bah oui, c'est toi. Ok, il va aller à droite. Chez Tacos. Vas-y, tiens la caméra. Tiens, va te chercher parce que... Mouloud ! Ah ! Bon, en espérant qu'il va chez Tacos. Comme ça, je gagne et je mange Tacos. 3, 2, 1. C'est parti, mon gaillard. Allez, allez. Non, tu l'as mal mis au milieu, tu lui as fait peur. Viens là, non, viens là. La vie de ma mère, je vais le faire cuire au barbecue, hein. Il commence à me faire chier. Oh, Mouloud! Allez, mon Mouloud, on repart sur de bonnes bases. On se fait la paix, bisous. Mouah. C'est un animal très sage, il faut y aller en douceur. Ah, excuse-moi alors, pardon si t'as été, si j'ai été trop brusque avec toi, mon petit Mouloud. De toute façon, quand on va te manger, on va être brusque. Et la famille d'ailleurs, pour quand on disait on va le manger, on rigolait. Hein. On va pas le manger, on s'est attaché à lui, c'est impossible. Et ceux qui disent on est méchant et on est. C'est sûr, vous le frappez à la maison. Comment ça s'appelle là, les gens qui frappent les animaux? Les zoophiles. Qu'est-ce que tu racontes? Maltraitance animalière. Vous croyez vraiment on a acheté une petite chèvre comme ça, un petit Mouloud pour le frapper? On n'a pas que ça à faire, sérieux. C'est Adem qui va te placer parce que avec moi t'as peur. Allez. C'est de la triche ça. Oui, oui, oui. Oh. Je mange les tacos, tu manges le McDo. Eh mais attends, c'est moi, il prend McDo là. Non, arrête, tu veux couper. Perfect. Oh là 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 là, regardez-moi ce tacos avec ses bonnes frites. Et là, regardez, j'ai pris un 7-Up chéri avec sauce barbecue, sauce algérienne et sauce ketchup et sauce andalouse. Dites en commentaire c'est quoi votre sauce préférée. Et vas-y Adem, ouvre-moi ton petit paquet de McDo là. Alors nous avons ici... Du coca. Du carton, on va bien manger. Vas-y, goûte pour voir. Non, non, il y a le Covid dessus. Ouais. Ensuite, bien évidemment, les frites. Et comme on peut prendre que du poisson, le menu McFirst. Regardez, je vous l'ouvre. Ah, il est bien sec, force à toi. Comme il l'a regardé. Allez, on mange. Perfect. Bon, la famille, c'est parti pour la dégustation. Bon, désolé s'il y a un petit peu de bruit, il y a la famille autour. Bon, Adem, on y va, bismillah. Je commence par les frites. Alors à l'intérieur il y a viande kebab et tenders. Ça faisait longtemps le tacos sur la chaîne. Ouais, pour toi, moi c'est archi sec. Cheh, merci Mouloud. Si tu regardes cette vidéo, on est ensemble. Wesh, ils abusent McDonald's. Je sais pas, demande à Donald Trump. Je goûte les frites. Le menu McFirst. Ça fait du bien de manger, même si toutes les vidéos on mange en ce moment. Il est super bon, mais quand j'ai avalé, ça m'a enlevé les trucs que j'avais ici là. Les abidales. C'est des amygdales. En fait, nos amis ils ont la dalle, c'est pour ça. Ouais. J'ai mis sauce algérienne aussi dans le tacos. Dites en commentaire, c'est quoi vous, vos viandes préférées dans le tacos et votre sauce préférée? Là-dedans, il y a la sauce creamy de luxe. C'est une des meilleures boissons. Dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi votre boisson préférée? Alhamdoulilah, pardon. Il est archi coupé à l'eau, c'est nul. Ouais, en général, McDo, leur boisson, il est coupé à l'eau. Du coup, bah, ça a pas trop le goût de boisson, quoi. En fait, il y a de l'eau et il la coupe, genre. Ouais, ils prennent un couteau, ils coupent l'eau comme ça. Ouais, je comprends mieux. Regardez-moi ce tacos. Y a pas mieux. Bon la famille, on va continuer le repas du midi. On va se retrouver tout à l'heure.
perfect. Bon, la famille, on a bien mangé. Là, on va tout simplement passer aux occupations, Adem. Alors, on va tout simplement demander à la chèvre Mouloud qu'est-ce qu'elle va faire. Elle va devoir choisir soit du sport ou bien une série tranquillement posée dans le lit avec elle. Déjà, il faut savoir que tous les deux, on a déjà besoin de sport. Ouais, c'est vrai, ça. Allez, viens par ici, toi. Viens là, jeune homme. Coucou. Est-ce que tu es prêt à faire le vote, Mouloud? Allez, c'est parti. Ouais, tu peux me regarder comme ça. C'est toi qui choisis. Je l'ai déjà fait, moi. Tu choisis quoi, à gauche ou à droite? Ne triche pas. Ouais, droite. Allez, bien vu Mouloud. T'as quelque chose à dire? Non, j'ai pas le choix de toute façon, c'est parti. Bon, du coup, la famille, regardez, je suis en mode Netflix and Chill avec le petit Mouloud. Bon, c'est pas Netflix, hein, c'est l'attaque des titans. Allez le regarder, franchement, je vous le conseille. Dites en commentaire, vous, ce que vous regardez comme animé. On a regardé Boruto, on a regardé Naruto, on a regardé Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Et là, on est sur l'attaque des titans avec Adem. Donc, je vous le conseille. Lui, il se repose, hein, il fait sa petite vie. Allez, à tout à l'heure. C'est parti pour mon sport. Vous êtes prêts à me regarder? Je sais pas le faire en fait. C'est quoi, moi y a pas d'organisation. Je fais ça, je fais un peu de ça, je fais un peu de ça. Arrête Adem. Wesh, il a fait un trou dans le sol. Ah, c'est terminé moi et le sport. Arrête wesh. Ah, de l'eau, du coca, McDo, tacos. Mais t'avais pas le droit de manger de tacos. Sors de là, t'es puni. Mmh. Gros larme, hein. C'est quoi ça? C'est mes jouets. Ah. Non, 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 non. Oh. Vilaine, j'y vais. Ah. Ouais. Attends, doucement, Mouloud. Oh, doucement, là. Nous assistons à une bagarre en direct. Bilal l'hippopotamus s'assoit sur Kayla. Ah. Elle m'a mordu. Elle lui a mordu le coude. Oh, vous entendez? Il y a un séisme. Oh, ça bouge. Ça bouge. Attends, Kayla, Kayla, regarde-moi. Vas-y, sors, toi, sors, là, c'est pas le moment. Vas-y, sors, là. Je le sème, en fait. Certain que je m'en bats les reins. C'était le but, en fait, de t'énerver. Non, non, bah, pas mon bureau, pas mon bureau. J'ai envie de faire des bêtises. Non, Bilal, non. Si je veux, je peux être sur ton lit. Non, 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 Bilal. Ok, je vais niquer ta chambre. Ma chambre. Elle parle trop mal, elle, en plus. Ah, vas-y, vas-y, ça, ça colle et tout. Ta gueule. Regardez, Mouloud. Il est en train de se dire, oh, arrêtez de vous battre. Mouloud, aide-moi. Oh, comme ton frère, ma vie. Tu sais quoi, va dans ta chambre, c'est fini, on a rigolé. Ah, il l'a fait chialer, le bâtard. Mais non, fallait drôle avec elle, fallait rigoler, toi aussi. Et là. Elle est énervée, la petite. Ah, excuse-moi, t'as 10 ans. Je suis pas petite. De toute façon, je m'en bats les reins. Demain, école, 8h. Et hop, devoir, apprends ta poésie. Ah, Kayla, laisse-moi m'excuser. Ça, c'est l'après-caméra en fait. Je l'ai filmé comme ça, Kayla voit un peu c'est quoi. Oh, la chèvre, elle est toute seule. Ah, mais. Pardon, ah, il a pissé. Il a pissé où? Il a pissé, il a pissé. Mais il a pissé, c'est jaune. Bon, la famille, là, on est en train de laver la petite chèvre. Adem, il allait lui faire sa douche. Hey, oh, comment tu vas? Ça va? Ah, tu kiffes, hein, c'est bien chaud. T'inquiète, je vais te sécher, tu vas être bien au chaud après. Oh, mon bébé, c'est bon, on a bientôt terminé. Il a éternué. Bon, la famille, c'est parti, on se retrouve pour le repas du soir. Comment vous dire, est-ce que vous avez compris quelque chose, vous, au sondage? En fait, ce qu'on a fait, là, avec les feuilles, depuis le début de la vidéo, on a regardé les rushs avec Adem, on a fait que de la merde. Pour vous dire, on sait même plus c'est quoi les règles. Elle a envie d'aller sur un truc dégueulasse, et bah hop, Adem, il mange un truc dégueulasse. Elle veut aller sur un truc bon, et bah Adem, il mange un truc bon. Aucune logique, les mecs. On s'est dit, Adem, faut trouver un concept. La règle, ça va être quoi? Dites-nous en commentaire si vous, vous avez compris la règle chelou qu'on a fait. Alors, dîner du soir dégueu et dîner du soir. Bon, on y va. Non, mais non, commence pas, s'il te plaît. Commence pas. Il me regarde en mode. Allez, on y va. Allez, hop. Il est trop con. Toi, t'es un bon, toi. Toi, je t'aime bien. Petit déjeuner, qu'est-ce que je raconte? Ah, je m'en fous. Oh là là, mon repas bon du poulet avec des frites et pour Bilal des œufs blindés de moutarde. Il va pleurer. Oh là là, je vais pas assumer. Regardez-moi cette quantité de moutarde. Perfect. C'est parti, on y va pour le repas du soir, la famille. J'ai mon omelette avec la moutarde. Bon, il faut savoir que j'aime bien la moutarde, mais quand il y en a comme ça là, extrêmement beaucoup, bah je vais pas assumer. Moi j'ai du bon poulet avec de la chapelurisée, donc je vais le dézinguer. Tout ça de moutarde, on y va, bismillah.
Ça monte dans les narines, ça met des patates dans le nez. Ça m'a débouché le nez. Ça fait du bien du coup, c'est antiseptique. Moi j'ai du bon poulet. C'est bon, t'as forcé avec ton poulet. Poulet. Ah c'est fort la moutarde. Bon la famille, désolé si on est un petit peu fatigué, hein. C'est la fin de vidéo, fin de soirée. Il y a trop de moutarde. Tenders. Ah, je m'arrête là. En espérant que les 24 heures avec Mouloud vous a plu. Allez Mouloud, dis au revoir aux abonnés. Au revoir. T'es gênant à faire ça. C'est toi qui m'as dit de faire ça. Pourquoi tu mens? À chaque fois tu me dis imite Mouloud, comme ça c'est lui qui parle genre. Vas-y refais-le. Non. Dis abonnez-vous à la chaîne. C'est un kiff, un pur bonheur d'avoir ça à la maison. Poulet. Franchement, si vous voulez un petit animal comme ça dans le jardin, c'est magnifique. On n'a rien compris à ce concept au niveau des choix de la chèvre. Eh, tant qu'on a rigolé, tant qu'on a passé un bon moment, c'est le principal. On n'est pas logique nous aussi, on est cons. Sur ce, partagez la chaîne à vos amis et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouveaux 24 heures. C'était Adem et Bilal. Salam la famille. Au revoir. Perfect.